Salut tout le monde, je vous retrouve sur la chaîne Fouet1534 pour un glitch solo de duplication de véhicules. Donc là vous serez seul, mais il vous faudra une pute. Donc vous pouvez voir la plaque. Et il vous faudra un camion mock, le camion mobile, et une voiture de la rue. Voilà. Donc le glitch il est très très simple, d'accord. Il va vous falloir commander votre camion. Vous allez aller avec la pute dans la voiture. Devant le camion. Le camion, il faudra qu'il soit vide à l'intérieur. Vous allez faire comme si vous voulez rentrer. Ça va vous bugger. Et une fois que vous serez bugué, il vous faudra aller dans une activité récente. Donc dans votre profil, tout ça, vous allez bien voir tout ça, toute la manip. Le glitch, il est très simple, mais il marchera que la nuit. Alors c'est de minuit à 4 heures. Aussi, vous pourrez le faire avec les mercenaires. Mais bon, les mercenaires, il faudra que ce soit un collègue qui vous appelle les mercenaires pour que vous tuiez un gars dedans et que vous ayez son 4x4. Ça marchera avec son 4x4. Donc, là, je vais à mon camion. Je vais me mettre au cul du camion. Flèche de droite. Donc, le camion, il est vide. Sinon, ça marchera pas. Donc la pute, je l'ai tuée, je me suis mis en vue, en première vue, première personne. Je l'ai bloqué contre le mur et je l'ai tuée pour pas qu'elle s'échappe. Une fois qu'elle est tuée, c'est bon. Donc là, vous voyez, je suis bugué. Là, je vais dans mon profil. Et je vais aller dans GTA Online sur une activité récente. Donc achat de véhicules. Vous pouvez faire un achat d'armes. Le tout, c'est que ça vous envoie dans GTA. Donc voilà, lancez GTA Online, vous le lancez. Et une fois que vous aurez apparu, donc bon, moi comme je viens de commander le camion, il va falloir que j'attende. Mais si jamais vous avez le camion déjà commandé, vous pourrez l'appeler de suite. Donc là, dès que j'arrive dans la nouvelle session, je recommande mon camion. J'appelle le véhicule que je veux dupliquer. Donc en fait, j'ai fait bugger cette voiture, je l'ai fait bugger à entrer dans le camion. Et c'est resté en sauvegarde. D'accord? Donc là, il va falloir rentrer le véhicule que vous voulez dupliquer. N'importe quel véhicule. Même celui d'un ami. Donc vous pourrez rentrer tout ce que vous voulez dedans. Voilà, donc là il faut appeler le camion. Bon, je dois attendre 1 minute 50. Donc je vais dupliquer cette voiture.
Vous, le top, c'est vous dupliquer une RH8, une Elegy Custom Retro, pardon, qui vaudra 950 000, ou une voiture de chez Beniz, au moins. Si au moins vous voulez faire de l'argent, c'est ça le meilleur. Là, je vais m'éloigner un peu pour qu'il soit à côté. Donc, pensez, si vous n'avez pas le camion, d'aller voir le braquage en défi élite. Donc, vous le faire en illimité. Donc, il y en a un qui quittera la session, tout ça. J'ai fait des vidéos sur ça. Donc, vous pouvez gagner jusqu'à 900 000 en 15 minutes. Donc, il y a de quoi faire. Donc, vous pouvez pas dire, non, j'ai pas le camion, j'ai pas le bunker, j'ai pas le PDG. Donc, il vous faut les trois. Donc là, je vais bientôt pouvoir. Hop. En avant. On va aller au camion. Donc là, vous prendrez le véhicule, comme j'ai dit, que vous voulez dupliquer. N'importe lequel. Et vous allez rentrer dans votre camion. Vous allez rentrer, ressortir, re-rentrer, ressortir avec. Pour bien valider la duplication. Et le tour est joué. Après, il faudra attendre quand même l'autre nuit pour prendre une prostituée. Abonnez-vous, les gars. On a plein de glitches là qui sont en train de sortir. Donc, si vous voulez les avoir, abonnez-vous. Mettez les notifications. Comme ça, vous les aurez de suite avant qu'ils soient patchés. Parce que vous savez que Rockstar est patché très vite. Et des fois, vous n'aurez pas le temps de les avoir, qu'ils seront patchés. Sur ce, je vous dis bon glitch. Profitez-en. À bientôt. Ciao, ciao les gars.